On est sur une sardine bretonne qu'on vient juste lever. On va prendre des gros calibres. On vient les laquer avec un garum de sardine, avec un tout petit peu de jus de citron. Alors la sardine, on fait une très légère cuisson. On passe le garum dessus juste au chalumeau. On passe à la flamme légèrement. On cherche à caraméliser le garum sur la peau. Et on la sort entre crue et cuite. Nous, on aime bien dire cuite, hein, ça nous amuse. Il faut vraiment faire attention à cette cuisson. C'est vraiment l'ADN du plat. Après, on a fait un condiment bien moutardé avec des algues du Croisic. On a de la dulce, on a de la laitue de mer, on a du nori. Derrière tous les condiments qui vont venir autour, des haricots verts qui sont presque crus, qui amènent beaucoup de végétal. Et après, le thé matcha hyper concentré. On mélange ça avec cette eau d'haricots verts et ça fait un joli mariage. On a vraiment de la puissance et une jolie sauce qui vient lier le tout. On fait une eau d'haricots verts avec une base de lait. Et quand on mixe, on rajoute même de l'haricot cru pour avoir vraiment ce côté juste cueilli du jardin, une belle fraîcheur. Le but, c'est vraiment de jouer sur les différents verts dans ce plat. On va avoir le végétal de l'haricot vert, les jolies amères du thé matcha et la pâte de pistache torréfiée qui va donner un petit côté enrobant et qui va donner beaucoup de gourmandise. À Granit, on aime beaucoup travailler sur les mariages de saveurs. Et ici, on n'est que sur du vert. Donc quand on prend pistache, haricot vert, thé matcha, dans ma tête, ça fonctionnait. Et donc on a voulu faire cet essai autour du vert, mais avec des intensités différentes. Et franchement, ça, pour nous, ça fonctionne très bien.